Bonjour tout le monde, bienvenue sous Palmis là. C'est la première fois qu'on est avec nous, pas bon, si tu n'as pas oublié, on va peser le bouton subscribe là et on va peser la cloche là pour capable être connecté avec nous. Nous venons porter pour vous une interview exclusive que Jovenel Moïse fait matin dans RFI. En fait, nous pensons que c'est important pour tout Haïtien comprendre ce qui a passé dans tête président parce que en pile monde trouvait que monsieur Antijan paradoxal trouvait le droit normal, mais nous pensons que chaque fois que nous avons des monsieur, plus ou moins nous mesurer, ça va passer dans la tête. Parce que c'est clair que le président comporte d'une façon quand le monde a cherché à comprendre. Okay? Donc, je dis, nous prenons le temps d'interview et nous, après interview à tout, nous prenons le bas où ça nous joue comme information, ça nous venait la faire dans le moment là. Pendant ce temps que chaque jour, manifestation, pays bloqué. Donc, il faut au moins que nous lisons, penser, au moins pour les présidents, parler pour nous. Quand on commence à passer dans la tête. D'abord, entendez ensemble interview exclusive ça que monsieur te fait dans RFI. Ensuite, nous prenons porter pour vous information que nous jouons sur ça monsieur a planifié pendant que Mounio a plevé, crasé, brisé. Donc, nous prenons entendre ensemble interview ça. On faut entendre. On commence donc tout d'abord par cette interview exclusive avec le président haïtien Jovenel Moïse qui s'est entretenu avec notre correspondante Amélie Baron. Haïti qui s'enfonce dans la crise, cela fait bientôt 2 mois que des milliers de personnes manifestent à travers le pays pour exiger la démission du président. Celui-ci refuse de quitter le pouvoir et explique dans cet entretien qu'il faut considérer cette crise comme une opportunité de réformer le pays. On écoute cette interview avec le chef de l'État haïtien Jovenel Moïse. Aujourd'hui, nous sommes dans une crise. Elle est réellement aiguë, mais nous pouvons profiter de cette crise pour faire de cette crise une opportunité. Nous avons besoin de stabilité dans le pays et pour trouver cette stabilité, il faut attaquer le système. Qui sont ces héritiers du système? Qui sont ces gardiens du système? Quel est ce système? C'est une excellente question. Alors, pour ne pas antagoniser le pays, je ne veux pas citer de nom, ni de nom d'institution, ni de nom de personne, parce qu'en fait, nous sommes dans un pays divisé, déchiré, et nous avons besoin en fait de mettre les gens ensemble aujourd'hui. Aujourd'hui, avec un pays en crise, lock, donc c'est l'expression, depuis presque 6 semaines, les hôtels ferment leurs portes, des entreprises ont aussi congédié beaucoup de leurs salariés. Le constat aujourd'hui est alarmant sur le plan économique. C'est un pays à la dérive, Haïti. C'est vrai, il y a un problème, il y a un ras-le-bol, les gens sont exaspérés. Mais comment profiter de cette crise pour faire de cette crise une opportunité? Nous sommes à ce carrefour-là. Ça demande beaucoup de dépassement de soi. Ça demande beaucoup de sagesse. L'économie haïtienne dévisse depuis plus de 2 ans. L'inflation a dépassé les 20%. La gourde a perdu un tiers de sa valeur en moins d'une année. Est-ce qu'il y a des erreurs politiques que vous identifiez? L'économie suit le politique. Nous avons mis sur pied un projet et nous avons travaillé avec les partenaires techniques et financiers. S'il y a en fait une erreur, à ce niveau, je dois dire que je le reconnais parce qu'on a pris un petit temps en plus. Ça nous a pris 2 ans. Et après 2 ans, et malheureusement, nous n'avons pas eu de gouvernement. La Chambre des députés a censuré le gouvernement. Les députés qui sont de votre majorité parlementaire. Il n'y a pas eu de gouvernement, ce n'est pas la faute de l'opposition, c'est votre majorité qui a voté contre. Le Parlement, c'est un Parlement autonome. Cette majorité ne veut pas dire que le président impose. Moi, je m'attendais à ce que je lance ce programme à partir du début du mois d'avril. En parlant du dossier Petro-Caribé, qui est celui qui a lancé le mouvement de contestation à l'été dernier, l'une de vos entreprises est épinglée par la Cour supérieure des comptes comme au cœur d'un stratagème de détournement de fonds. Avant que votre entreprise ne soit épinglée, vous aviez dit faire confiance à cette Cour. À l'issue de son rapport, vous avez demandé un audit auprès de l'Organisation des États américains. Il y a une confusion. Est-ce que finalement vous faites confiance à la justice haïtienne sur ce dossier? Il n'y a pas de confusion. Je dois premièrement vous dire, au contraire, c'est pour donner la confiance à tout le monde. Il faut un procès équitable où il ne va pas y avoir de chasse aux sorcières ni de persécution politique. Je suis président d'un pays du tiers-monde, mais je respecte la loi. Je respecte les institutions de mon pays. Est-ce que les institutions sont assez fortes pour remplir leur mission? Ça, c'est la question.
Aujourd'hui, le pays n'est plus sous la maîtrise des forces policières puisque certaines routes sont coupées depuis plusieurs semaines. On est en situation presque d'anarchie à certains endroits où le Far West domine, des gens rançonnent au quotidien les personnes qui voudraient passer. Vous venez de le dire, les gens qui rançonnent, qui font des barricades, mais ce sont des Haïtiens qui sont en quête d'emploi, qui cherchent à faire... Mais en fait, vous avez parlé des forces de l'ordre, nous avons 20 000 policiers pour 12 millions de personnes. Le pays a besoin des réformes en profondeur. Vous parlez de réformes au quotidien. Les gens se demandent si demain ils vont pouvoir vaquer à leurs occupations, si demain ils peuvent mettre leurs enfants à l'école. Concrètement, en urgence, qu'est-ce qui peut être décidé? Au moment où je vous parle, je sais qu'il y a plusieurs équipes qui sont à la CAE. La police est là, les travaux publics sont sur place, le ministère de l'Intérieur est là aussi, en train de voir comment trouver un modus operandi pour sortir, parce que nous n'allons pas pouvoir sortir de l'auberge avec toutes ces armes au niveau des groupes armés. Nous sommes en train de travailler pour que la paix revienne, pour que le peuple haïtien retrouve sa sérénité, pour que les enfants puissent retourner à l'école. Le président haïtien Jovenel Moïse au micro de notre correspondante Amélie Baron. Nous avons dit Jovenel Moïse qui a dit non, on n'a pas la voilà, nous avons tel côté, nous avons travaillé. Très bien. So, vous sentez que son Jovenel Moïse qui still croit que il y a contrôle ça, j'en slogan ça, il y a contrôle ça, il y a contrôle ça. Vous comprenez? Il y a un prix ça, on va vous occuper. Il y a un prix, mais c'est ça que je vous l'ai dit. Vous avez dit Jovenel Moïse qui a parlé en assurance, que calme. So, mais c'est méchant, c'est méchant. So, bon, c'est que c'est méchant quelque part. Ok? Ça veut dire. Vous savez que vous Jovenel Moïse, que ça va si aigu que je ne pense à. Quelle maîtrise est toute parabête, yo? Nous mettre posé. Come on. So, mes amis, donc voilà. Donc, vous entendez que Jovenel Moïse, dans l'interview avec RFI, justement, qui posait le comme stratège, il dit bien, la profiter de crise là. L'un de la profiter de crise, il dit, faut profiter de crise ça. Attends, à qui profite? Qui est-ce? Profite ça pour qui est-ce la bien? Est-ce que c'est pour nous? Mes amis, pas oublier que ça fait non, ce temps d'interview. On a essayé de comprendre. Jusqu'à présent, je pense que Jovenel Moïse, c'est quelqu'un à analyser. Effectivement, c'est un monde pour nous chercher à comprendre plus bien. OK? Dans différentes positions que le gain. Parce que c'est un cas. Parce que vous sentez que c'est quelqu'un qui. Tout ça n'a fait là, c'est pas rien. Et que quelqu'un fanatique lui. Tout qui pensait que. Mais il y a des mecs crasés. Vous comprenez? En fait, nous, c'était mec mourir. La bien qu'on est. 5 ans. Et il y a un qui dit, il n'y a rien qu'à faire là. Il y a d'autres qui n'ont fait là. Et nous pensons que c'est de la mauvaise foi, quelque part. Lorsqu'on réfléchit comme ça. Ce n'est pas d'un sentiment de patriotique. Moi, je comprends qu'on a fait, mais persévérer dans l'erreur, continuer dans l'erreur, c'est ça qui pis mal. Mes amis, m'oublie que nous tant de Jovenel Moïse, c'est pour nous comprendre parce que nous connaissons pas tant de souvent, c'est pour nous essayer de comprendre ça qu'a fait la carrière président. Est-ce que nous connaissons dans le moment n'a parlé là, ou capable de croire, mais c'est des informations qui viennent des autorités au niveau du pouvoir Jovenel Moïse là. Ça Jovenel Moïse a réfléchi là, ces négociations là fait pour un nouveau gouvernement. Hein? Ma répète pour nous, pour mon capitaine. Information que nous voulons joindre, dans le moment où on a parlé, là, Jovenel, en pour parler pour un nouveau gouvernement, pour le capable former, pour un nouveau premier ministre. Ça veut dire que ça, il va faire appel à député qui est en vacances pour venir voter un nouveau premier ministre, un nouveau gouvernement. C'est ça qu'a fait là. C'est ça qu'a négocié dans ce moment-là. Mais on demande où? Est-ce qu'effectivement son bon calcul? Est-ce que son bon calcul? Est-ce qu'effectivement nous calons dans la logique? Ou bien est-ce que c'est nos bêtises tout? Je vais la passer, non? Ok? Nous causer et nous voilà.
En pour parler, pour gagner un nouveau gouvernement. Bon, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Ok, je ne veux pas comprendre nous au sérieux, non? Par contre, comme ça. Je ne veux pas comprendre nous au sérieux, non? Donc, c'est la meilleure stratégie dans ce moment-là pour qu'on puisse négocier pour gagner un nouveau gouvernement. Et il y aura le nom de premier ministre. Vous comprenez? Pour aller à la Chambre des députés. Donc, mes amis, donc voilà. Donc, mes amis, ça a montré nous que nous, là, pour longtemps, là. Hein? Si pas gagné une véritable révolution totale qui fait nous, là, pour longtemps. Ok? Et ça, c'est ça, vous le comprenez là. Ok? Donc voilà, nous devons vous update ça à vous. Donc, vous êtes connectés parce que nous-mêmes, toute information pertinente qui a dominé l'actualité, nous avons porté pour vous. OK? Portez-nous bien.